Je vous emmène boire un verre. Pourquoi faire? Mais pour parler, faire un peu connaissance. Mais je sais qui vous êtes, vous êtes le commandant Raphaël Coste. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre un verre pour discuter de tout et de rien. Je l'ai fait pour faire plaisir. Merci Astrid. De rien, mais je ne comprends pas à quoi ça sert. Parfois les neurotypiques, vous êtes bizarre, vous êtes surprenant quand même. Vous voulez vraiment dire plus? Je ne savais pas que vous intéressiez au puzzle. Je pourrais vous donner les références d'un livre sur le sujet si vous voulez. Ce ne sont pas les puzzles qui m'intéressent, Astrid, c'est vous. Venez à la maison, commande un truc et puis voilà. Ce n'était pas prêt. Les rituels sont d'une importance capitale pour elle. Mais la vie, elle est bourrée d'imprévus. J'ai vu comment Mademoiselle Lucien se comportait avec vous. Vous êtes en train de devenir un de ses points de repère. Vous savez, Théo, je me suis toujours débrouillée toute seule. Mais j'ai découvert que parfois, les gens comme nous ont besoin de gens comme le commandant Coste pour nous aider à faire face à certaines situations. Laisse tomber, c'est la copine de la tarée, là. Elle ne va pas être nette non plus. Hein. La tarée, comme vous dites, elle est trop pudique pour vous dire qu'elle vous emmerde et que votre opinion à son sujet la laisse de marbre. Cassez-vous. Je ne sais pas comment vous remercier, commandant Coste. C'est rien, c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Vous ne vous rendez pas compte, j'ai réussi à faire mes cours à mardi. Et j'ai fait mes cours, c'est très important. Merci. Oh, je vous en prie, Astrid. Sans confiance, pas de lien. Bien sûr, il faut être prudent. Mais faire confiance, c'est prendre un risque. Pour le meilleur ou pour le pire. Astrid, je suis super contente de vous voir. C'est important que vous soyez là. C'est le principal. Astrid! Astrid! Je n'aurais pas dû venir. Je savais que cela se passerait comme ça. Je n'aurais pas dû venir. Je ne dois pas venir. Astrid, pourquoi vous êtes venue alors, hein? Parce qu'on ne dit pas nous un anniversaire. Mais on s'en fout du protocole. Si vous voulez pas venir, fallait me le dire. Ça se passe comme ça entre amis. On se dit des choses sans détour. Vous êtes sûre? Ah bah oui, certaine. Il faut aller droit au but. Non, je vais dire. Et je suis sûre que nous sommes amis. Ensemble, oui. J'aimerais bien, en tout cas. Astrid, je peux vous poser une question? Pourquoi vous m'avez offert un dé à coudre? C'est vous. C'est moi? Comment ça, c'est moi? Et si on vous compte? On dormait une petite nuit, mais on peut se blesser. Alors on peut choisir de dé à coudre, ou bien on peut choisir d'accepter de se blesser. Ou bien, on peut choisir de mettre un dé à coudre pour se protéger. Exactement. Vous êtes mon dé à coudre. Et puis, je suis qui, moi, pour entrer dans sa vie comme ça, c'est vrai, quoi. Je sais pas. Son ami? C'est vrai, aujourd'hui, je peux dire qu'Astrid est mon amie.